Eh bien, salut à tous, bande de gamers, et bienvenue sur Dead Island. Donc, du coup, là, on est de retour devant directement Simonoi. Et dans la dernière vidéo, on avait fait la quête qu'il y avait dans l'hôtel. On avait récupéré un camion et on avait été aussi voir un hélicoptère qui s'était écrasé, puisqu'on avait, on avait aidé monsieur Nicolas et le con. Donc, c'est parti pour la suite de notre aventure. Alors, allez voir un mécanicien pour lui demander de renforcer ce camion. Ça marche, c'est parti mon pote. Good. Let's just pray the mechanic's still alive then. We'll need to find somebody else. Ouais, ouais, si tu veux, allez, on se casse. Oups. Allez, c'est parti. Direction le mécanicien. Voilà, impeccable. Hop, je mets la radio. Dap, 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 dap. Allez, let's go, on va apporter ça au mécanicien pour qu'il nous le renforce. Et hop, un zombie. Mécanicien, je crois qu'il est à côté. Vas-y, viens, viens, viens. Oh merde, il s'est arrêté, con. Bon, le mécanicien, c'est simple, il est à côté de la station-service, là où on avait récupéré l'essence pour... Oh, mais non, je suis con, je crois qu'on n'a pas été à faire la mission, je sais plus. Ah si, 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 j'avais fait la mission. Je sais pas si j'avais fait hors vidéo, mais on récupère de l'essence pour... Toi, je t'écrase. Pour faire la quête au début, pour brûler tous les zombies. Donc là, vous voyez, on continue là, on continue tout droit. Et normalement, on prend à droite ici, je crois. Bon, effectivement, je suis pas super fort. Hein. Faut dire que le camion n'a pas non plus la direction assistée. Il a plutôt l'insisté. Donc là, on continue par là. Et normalement... On devrait y être ici. Voilà. Donc là, on garde le camion ici. Moi, ce que je fais, je me prends pas la tête. Voilà. Hein. Faut pas s'embêter dans la vie. Hein. Voilà. Je recule. Et je descends tout le reste. Putain, je t'ai mis la batte dans la gueule, mais non. Allez, allez, et allez. Il y en a une qui est encore vivante, la voici. Voici. Et voilà. Un coup sur le crâne, ça la suffit. Voilà. Ah, je croyais qu'il y avait une petite vidéo, autant pour moi, excusez-moi. J'avais posé la manette. Ok, donc là la quête est simple. Pendant qu'il transforme le camion, c'est d'ailleurs le mécanicien le plus rapide au monde. Il faut juste tenir, je crois, quelques vagues de zombies. Il n'y a pas grand chose. Allez, let's go. Il n'y a pas des petits trucs là. Bon, on s'en fout. De toute façon, je pense que la plupart du temps, je vais me battre carrément avec les poings. Ce sera plus rapide. Hop, je vais mettre un peu plus à la lumière. Alors, les petits zombies, vous êtes où? Petit, petit, petit. Eh, je vais prendre une pelle, comme ça je vais pouvoir leur rouler une pelle. Ça y est, c'est parti. Le championnat du monde arrive. Le lancer vient de lancer. Oh, Omram. Bim. Allez. Voilà, merci, je récupère ça. Toi, dégage. Ouh. Merde, je crois que je l'avais décapité, dommage. Allez, viens, 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 viens. Oh, la tête. Ouh, deuxième tête volée. Moi, la première fois, je montais ici, là. Et je balançais les caisses et j'ai tué le Pierrot.
bim. Allez. Il y a quelqu'un d'autre? Ouais. Et voilà. Allez. Je crois que le corps il a planté là, il était là, il a. Qu'est-ce que je fais là? J'ai perdu ma tête. Putain, vous êtes arrivé par derrière? Voilà. Je vais vous apprendre moi, non mais oh. Allez, football mon gars. Ah, sa tête là elle est là. Ah. C'est mal fait ça. Voilà. Comme je vous ai dit, hein, quelques vagues et en peu de temps, le mec nous a amélioré le camion en même pas 5 minutes quoi. Ça, c'est le mécanicien le plus rapide au monde quoi. Et le carrossier pardon même plutôt. Allez. I'm done. Voilà. One more fight. My daughter can't stay here. What? Soon I won't be in my right mind. I don't want to hurt her. We'll take her to the lifeguard. He can't protect her. Not like you can. I want you to take her. Sorry, Bubba. No way. Hey. Is this what you need? Then give me what I need. What are you saying, Dad? I'm not going anywhere. No, honey, listen to me. You have to, honey. There's nothing for you here now. I'm not leaving you. Look at me. Look at me. I love you. And this is how I want you to remember me. You promise me you'll take care of her. She'll come with us. Dad, no! Dad! We go on now. And don't you lose hope. Live your life. I love you. Et voilà. Triste fin pour son papa. Ah, il faut parler à Jean d'abord. Ah, ça on va le prendre. Et on va se soigner. Mais non, pleure pas, ça va aller, il va aller rejoindre le paradis des zombies. But she never got the chance. We settled here after her death. This is where... Allez. I can't really turn you down now, can I? Let's go les amis. Entrer, merci. C'est quoi cette marque? On dirait un 6ECO33 avec le symbole du téléphone là de. Je sais pas ce que c'est. ICO ECQ33. Allez, let's go. Direction donc, normalement, si je me rappelle bien, la ville, l'acte 2. Ah, du coup, maintenant, on y voit que dalle, donc entre la réverbération sur le sol et les grilles pourries, là, qui nous a installées. Voilà. Ah, paix à ton âme, petit zombie, tu vas finir en steak. À chier. Allez hop, le tunnel, j'y vois que dalle mais c'est pas grave. Wow. Je suis un peu perdu là. Ok, c'est bon, on est sur la bonne route.
Eh ben dis donc, je vous dis que le camion, il est long, hein. Pour monter la pente, on dirait qu'il va crever, le pauvre. Youhou! Oh merde. Voilà, c'est bon, allez. On va dire au revoir à cette magnifique île paradisiaque. Ah non, attendez, je crois qu'à un moment donné, on doit revenir, il me semble. Ouais, je crois qu'il me semble qu'on doit revenir une ou deux fois dans l'histoire, dans le jeu, là. Moi, je dis île, sur la plage, sur le côté plage. Hein. Voilà. Acte 2. Chapitre 5, bénédiction variée. Améliorer une arme augmente ses paramètres de base, ce qui la rend plus efficace. Vous pouvez échanger vos objets, ça on l'avait vu déjà. Eh ben dis donc, elle conduit mieux le camion que moi, elle. Bon, ok. Donc vous avez vu le nouveau zombie, le Berserker. On va lui apprendre vite fait comment ça fonctionne avec nous. Il nous connaît pas trop, on va lui faire la bise, hein. On va lui dire notre façon de penser aussi. Allez, let's go, vite. Oh, c'est quoi la cœur? Voilà, donne-moi l'argent. Toi, t'en as pas besoin, moi j'en ai besoin. Salut les amis, comment est-ce? Même pas en rêve. Allez, on va s'occuper de tout le monde. Voilà. Wouh! Tiens, toi, je te roule une pelle, c'est gratuit. Oh putain. Allez, vas-y, viens vers moi là, viens vers moi, vite, 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 vite. Il est trop con ce mec. Wouah, cette peur, j'étais un petit peu trop près. Plus près que je ne le pensais. Putain, mais. Oh, je lui ai planté dans le cul. Dans la. Je t'ai refait un nouveau zizi. Tu devrais être content. T'as le zizi électrique? Attends, je récupère ton nouveau zizi. Oh putain, l'enfoiré. Il a pas aimé ça, con. Allez, amène-toi. Eh ben non, loupé. Hop, je récupère ma machette, merci. Vas-y, ouvre la porte là. Salut, ça va? Bon, c'est quoi ce bordel là? C'est quoi ce raffut? Ouais, merci, c'est ce que je voulais faire. Oh, le bug, hein, qui. Ah merde, je voulais faire un one shot, j'ai chié mon con. Ouais, on a fait un deux shot. Salut! T'en as pas marre de faire ce raffut? On n'entend que toi là.
Tu t'es fixé sur ça, il y a un truc derrière la porte ou quoi? Non, il y a rien hein, derrière la porte. Voilà. Merci. Il y a des gens qui veulent dormir. Hop. De quoi nous soigner un petit peu. Thank you. Et voilà qui est terminé. Merci ma petite dame. Alors attendez, ouais c'est ça. On va faire un petit tour dans notre inventaire histoire de voir ce qu'on a, ce qu'on n'a pas. Est-ce qu'on a atteint le niveau 15? Bon, on a atteint le niveau 15. Attends, c'était niveau 14, pardon, excusez-moi. Donc on va finir cette machette et on va donc continuer à faire notre quête principale. Je ferai les quêtes secondaires hors vidéo, si toutefois j'ai envie de les faire. Something terrible. When the madness, please. I can't really turn you down now, can I? Please don't let them suffer any longer. De toute façon, vous verrez que certaines quêtes secondaires, on les fera en même temps des quêtes principales puisque c'est à côté. Donc autant les faire en même temps, hein. Ça évite qu'on perde du temps. Là, c'est le magasin. Mais bon, personne ne va pas acheter maintenant parce que je viens de dépenser tout mon pognon tout à l'heure. Ah ouais, si t'as quelque chose pour moi, je prends. Ah merde, je lui dis non, la pauvre. Allez, vas-y. Voilà, j'accepte. Voilà. Allez, je ferai la quête de ces gens-là au prochain voyage. Hors vidéo, pardon. Ou pendant, si c'est à côté de la quête principale. Alors, espoir anéanti. Direction la station de pompage. Alors, si je me rappelle bien, il me semble que normalement, on va commencer à affronter les êtres humains aussi. Et aussi, on aura un autre adversaire, il me semble, un peu plus tard dans le jeu, un nouveau zombie aussi. C'est le crasher, je crois. Enfin, moi, le noyé, les noyés, voilà, c'est les noyés. Allez, let's go, les amis. Allons faire un tour dans cette petite ville. Allez, venez, les zombies. C'est gratuit. Venez vous offrir votre mort. Hop, je prends ça et un coup de pied dans le cul. Allez, dégage. Allez, hop. Hop, total de l'argent, je prends. Il n'y en a pas un qui a des revolvers ici, là? Par hasard, toi, t'avais un couteau. Bon, c'est un petit couteau, mais ça me permettra de faire une petite lancée correcte contre un autre zombie un peu plus tard. Ah, qu'est-ce qu'il y a là? Est-ce qu'il y a-t-il des trucs intéressants? Ouh! Ils sont vénères. Boisson énergétique, merci. Hop, 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 hop. Faut pas se relever, madame. Faut rester à faire dodo. Faut aller au paradis du zombie. Bim. Oh, il est parti en morceaux, celui-là. Oh, toi, t'as un couteau, rentre dans la main. Allez, ça c'est fait. Merci pour ton petit couteau. Ça nous permettra de faire un lancer si besoin. Allez, let's go. Ah, là, il y avait une machette, je crois. Hein. Ça, c'est des zombies empoisonnés. Je les appelle les zombies empoisonnés. Allez, venez, les amis. Oh, non, 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 pas de bison, pas de bison. Pas en ce qu'on est à peine, non, non, non. Je suis derrière, mais bon, c'est pas grave. Salut les amis. Allez, venez, j'offre les coups. Ok, on va
soigner un petit coup. Parce que là, comme vous avez pu voir, il y a du monde devant nous. Oh, mais toi, c'est pas une épée que t'as. Oh, le con. Et voilà à quoi vont nous servir les couteaux, justement. Sors de là, Simba. Désolé, j'ai mon petit chat qui demandait un petit câlin. Ah, c'est une planche de bois. Merde, pourquoi je l'ai pris, ça? Toi, tais-toi, là. Ah, je me trompe de touche. Attendez. On va jeter la planche de bois parce que ça, c'est inutile. Planche de bois, voilà. On va récupérer la machette à finir. Parce qu'elle est bientôt la fin. D'ailleurs, on va la finir ici, d'ailleurs. Parce que, je sais pas si vous voyez. Et regardez, à chaque fois que j'attaque, il commence à avoir le symbole. Voilà, toi, ça va te calmer. Et on va calmer lui. Voilà. Ah bah du coup, on a eu un boomerang, elle est revenue. Voilà, on arrive enfin à la station de pompage. Ok. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans la ville, hein, peut-être que vous le verrez pas si je fais les quêtes secondaires hors vidéo, mais il y a aussi un endroit où je crois que c'est de ce côté vers là-bas dans la ville, où il y a une maison abandonnée, où il y a des gens à aider, et vers là-bas il y a un hangar aussi pareil avec des gens à aider, donc je vous le dis si jamais je le fais hors vidéo. Généralement là je le fais déjà avant, mais bon, moi je pense que je le ferai hors vidéo justement pour éviter de me prendre la tête. Eh oui, j'ai pas d'arme, ça va être chaud. On va essayer de l'avoir au couteau. Qui c'est qui me tue? Ah, c'est toi. Tiens. Dans le zigounet, mon gars. Piqûre s'impose, je crois. Voilà. Allez, on va rentrer là-dedans et fermer la porte pour qu'on soit tranquille. Pas de zombie qui va nous faire chier. Recharger le flingue et c'est parti. Ok, let's go les amis. Eh merde, je me suis trompé touche. Ok, le deuxième. Je crois que le troisième. Je crois que le troisième il se cache en bas comme ça là. C'est une blague. Ah bon. Putain, qu'est-ce que je sais pas viser, con. Par contre, quand même, je lui touche la tête depuis tout à l'heure, donc je sais pas, mais bon, normalement, il est censé crever, quoi. Voilà. Voilà. Au passage, on va récupérer des armes. Voilà. On va récupérer des munitions, pardon, ce que je voulais dire. Regardez-moi. Je fais ça, j'ouvre la porte, je bute là vite fait lui. Et en espérant avoir un peu de chance, hop, je balance ça ici comme ça. Et boum. Ah ah. Je crois que normalement le gars il se planque. Ah, si le flingue est plus puissant, je le veux bien moi. Celui-là on va le jeter.
côté et on va récupérer celui-là. Allez, bim, mon gars, en pleine tête. J'ai cru voir des ennemis, je suis pas vraiment sûr, mais j'ai cru voir des ennemis dans les environs. Là. Ça, on va le prendre. T'inquiète pas mon ami, j'arrive. Surprise, motherfucker. Ok. Attendez. Il me semble que l'autre il est en bas. Ah putain, je me trompe de touche à chaque fois. J'appuie sur le bouton B, voilà, j'allais dire le rouge, ouais, mais c'est ça, c'est le rouge aussi. Comme si on se baissait dans Call of Duty en fait. À chaque fois je me trompe. Merde, je vais apprendre à lancer les trucs comme ça. Moi. Il est où? Il est là. À moins que là, d'ici, j'arrive à l'avoir la tête. Ah ouais, c'est bon, j'ai eu la tête directement. Ok, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt utiliser celui-là pour ici. On va le balancer. Balance-le, tête d'ail. Voilà, et là, normal. Hein? Tu sors d'où, toi? Casse-toi. Ah ouais, il a dû sortir par là, forcément, ouais. Hop, voilà. On va recharger notre arme. Allez, mon pote, il est temps de mourir. Ok, bon maintenant on va essayer. Ah oh, putain, je me trompe encore de touche. Voilà, lui il est cuit. Oh, j'aurais dû même attendre. Quel dommage, j'aurais pu l'avoir. Ah, désolé. J'étais en train de télécharger quelques nouveautés que j'avais pas encore fait. Pour ceux qui reconnaissent le symbole, c'est Borderlands 2, donc je sais pas si je le ferai en vidéo ou pas. Mais comme je connaissais pas, j'ai pris les trois, le 1, le 2 et le préquel. Allez! Putain, décidément, il en a fallu des coups. Hein. C'est bon, il est mort. Allez, on continue. Merci pour les munitions. Et on va se mettre sur ça. Pas d'arme plus puissante. Ici, il n'y a rien d'intéressant, mis à part des fruits pour se nourrir. Ouais. Voilà, hop, ça nous a rechargé. Salut les amis! J'entends les zombies dans les environs. Hein. Ça va les amis? Ah ouais, j'ai pas encore fait le truc de crochetage. Faudrait qu'avec mes points de compétence, je commence à débloquer vite fait le truc de crochetage, comme ça au moins on l'aura. Ça nous permettra d'avoir des bonnes armes. Parce que dans les caisses comme ça, généralement, c'est que des bonnes armes qu'il y a. Ou du moins, pas forcément puissantes, mais elles peuvent être utiles, ou alors elles ont des... Ah merde, sans pétouche. 614, ah ben en fin de compte, non, je suis pas trompé touche. J'ai pris un flingue un peu plus puissant. Par contre, tu pourrais m'attendre, toi, parce que s'il y a des zombies, tu vas te faire bouffer la tronche, hein. Oh, night. Wait, It looks like we have some open fire hydrants. Yeah, five of them. Ça marche. We're wasting a lot of water. If we want help... Fermez 5 prises d'eau. You got it. Ce sera notre nouvelle quête secondaire au prochain épisode de notre petite aventure, les amis. Et bien, sur cette fin de vidéo, hein, j'ai cru voir un truc passer.
sur cette fin de vidéo, les amis, je vais vous laisser ici. Et puis on se retrouvera au prochain épisode. Alors, si vous avez apprécié la vidéo, ben laissez-moi un petit pouce bleu, partagez cette vidéo sur Facebook et Twitter, et puis abonnez-vous pour voir la suite de nos aventures. Ciao, ciao les amis, et à la prochaine fois.